السلام عليكم اخوان اخوات، مرحبا بكم في هذه لا فيديو في هذه نوفيل فيديو اللي هي تتمه الفيديوهات السابقه اللي شفنا على لا نوفيل اورغانيزاسيون تيريتوريال، دونك تنظيم الترابيه الجديد بالمملكه المغربيه، دونك في على ضوء المستجدات الدستور 2011 و القوانين التنظيميه 111 112 113 114. دونك كنا بدينا لا لوا اورغانيك 111 14 relative aux régions. دونك شفنا لي 5 بروميير بارتي، دونك دابا غنشوفو لا ديرنيغ بارتي في هاد لا فيديو. دونك لي فون دو ميز ا نيفو سوسيال اي فون دو سوليداريتي انتر ريجيونال. دونك لوتر بلون فهاد لا بارتي، دونك في شابتر 1 نو زالون فوا فون دو ميز ا نيفو سوسيال. Chapitre 2, nous allons voir le fonds de solidarité interrégionale. Donc, un bloc, le fonds de mise à niveau social. Donc, awel haja kna chfna principe de solidarité et de coopération. Donc, les chfna f vidéo de sabiqa, on charhna chna wa la définition dialo. Donc, d'abord, on chauffe les mécanismes de solidarité et de coopération. Donc, awel haja wa le fonds de mise à niveau social. D'abord, on chauffe création, l'objet dialo. On chauffe le budget, l'ordinateur, la réalisation et l'exécution, et les obligations du wali. Donc, awel haja la création. Le fonds de mise à niveau social est créé en vertu de l'article 142 de la Constitution. Donc, il y a un petit jour. J'ajoute l'article 142 de la Constitution, qui est le fonds de mise à niveau social l'objet. Destiné à la résorption des déficits d'infrastructures et développement en termes de l'eau potable et d'électricité, l'habitat insalubre et la santé et l'éducation. Donc, d'abord, l'objet de la caisse. De le fond. Donc le budget sont fixés par la loi de finances, donc qui est fixé par la loi de finances, les ressources et les dépenses de ce fonds, les modalités de son fonctionnement et sa durée. Donc la loi de finances fixe donc les ressources d'elle, les dépenses ou le mode de fonctionnement et la durée de le fonds. Donc l'ordonnateur, c'est le chef du gouvernement et l'ordonnateur des recettes et des dépenses, donc l'ordonnateur. Ce fonds, le chef de gouvernement peut désigner les wali des régions comme des sous-ordonnateurs. Donc, mon les wali de l'GHS, et qu'on a des sous-ordonnateurs de l'aide de le fonds. Donc, il peut remplacer l'ordonnateur. Donc, la réalisation et l'exécution de l'aide de recettes, le comité technique dans chaque région présidé par les wali est composé des gouverneurs, des présidents, des conseils veillent à la réalisation des objets, des objectifs. Donc, le comité qui se compose de présidé par les wali, est composé des gouverneurs, des présidents, des conseils qui veillent à la réalisation des objectifs. Donc, les obligations du wali. Le wali de la région établit un rapport annuel qu'il transmet à l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur. Chaque fois, le rapport comporte les étapes d'exécution des programmes et leur évaluation ainsi que les recommandations. Donc le wali établit un rapport que sert à l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur. Il comporte les étapes de l'exécution des programmes fixé, donc, et leur évaluation, des programmes, et ainsi que les recommandations de CIS fait d'un rapport. Deuxième chapitre, le fonds de solidarité interrégional. Donc, nous allons voir la création. Le fonds de solidarité interrégional est créé en vertu de l'article 142 de la Constitution. L'objet
réduire les disparités entre les régions. Donc, le budget sont fixés par la loi de finances, les ressources et les dépenses de ce fonds, les modalités de son fonctionnement, donc c'est la même chose que le fonds de mise à niveau social, et sa durée. Donc l'ordonnateur, c'est le ministre et l'ordonnateur des recettes et des dépenses de ce fonds. L'exécution, les critères de répartition des recettes de ce fonds entre les régions sont fixés par décret sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Donc, au débat, Salina, donc la loi organique 111-14 relative aux régions. Donc, les vidéos prochaines, on a droit à la loi organique 112-14 relative aux provinces et aux préfectures. Salam alaikum.